Cette année qu'on fait recette. Cette année qu'on fait recette. Et bienvenue chez les Darons du Game. Les Darons du Game, les gars. Ça faisait longtemps, un petit peu quand même. Wow, pas tant que ça, ça, un peu. Pas tant que ça, mais pour toi. Ouais. Toi, ça te démangeait de refaire du gameplay. Et oui, parce que moi j'étais en vacances, et j'ai pas beaucoup joué. Et ça y est, c'est la fin des vacances. Il était avec ton cousin marseillais là. Ah putain. Il nous revient, il nous revient parmi nous. Mon dieu. Donc aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu nous proposes, un petit chef? Oh, aujourd'hui, petite démo de Rayman définitive édition sur Switch. Putain, ça c'est un titre à la Capcom. C'est ça. Ultra Super Fighter, enfin bref. Ok, très bien. Alors, c'est donc le jeu qui est le portage sur la Switch. Voilà, de la Wii U. Hein, voilà, hein. Donc, est-ce qu'il y a des nouveautés? Eh bien, on va le voir ensemble. Voilà. En sachant que c'est que la démo. C'est que la démo, attention. Voilà. Donc, peut-être qu'on n'aura pas accès à tout, machin. Mais bon, écoutez, c'est la démo. On va tester donc tout ça. Alors, ouais. Avant de commencer, nous, qu'est-ce que tu nous proposes, mon petit chef? Alors, c'est le mode solo. Comment on pourrait appeler ça? Alors, c'est le mode. Vas-y. Le Murphy. Murphy's Touch. Alors Murphy's Touch, en fait, vous jouez sur le gamepad. Ouais. En fait, tout seul. Voilà, comme un con. Tout seul comme un con. Contrairement à la version Wii U où tu pouvais jouer à deux. Mais écoute, on va en parler 5 minutes. Ouais. On va vous montrer les images. Hein. Voilà, on a filmé histoire de vous montrer quand même. Alors, pour qu'on part, vous allez voir les images. Voilà. Donc, ça se présente un peu comme le gamepad. C'est ça. Voilà, donc en fait, tu diriges Murphy. Voilà, c'est ça. Pour aider un perso qui se déplace tout seul. C'est ça. Le perso se déplace tout seul, là. C'est ça. Et toi, tu dois, vous voyez sur les images, couper les cordes, l'aider à passer les plateformes, ce bordel. Voilà, attraper des bonhommes, attraper des bonus, etc. Alors oui, bien. Mais le problème, c'est ce qu'on vient de dire. Hein, c'est que tu joues pas à deux, quoi. On joue pas à deux, quoi. Et ça, c'est... Parce que le principe qui était bien sur la Wii U, c'était génial. La Wii U, de toute façon, moi je vous le dis tout de suite, même si on l'a, c'est qu'une démo, pour moi c'est la meilleure version. Ah oui. Et de toute façon, on voit que justement, c'est là, le jeu il a été créé pour la Wii U. Mmh. Là, on s'en rend compte vraiment. Et donc le problème, c'est que voilà, sur la Wii U, il y avait un qui pouvait diriger le personnage, tandis que l'autre, il avait le gamepad. C'est ça. Et il faisait le Murphy. Et voilà. Tandis que là, ça, c'était pas possible. Là, ça faisait des bonnes engueulades, ça faisait des bonnes crises de rire, c'était bien sympa. Quoi. Là, tu crises bien comme à ton pote. C'était bien fun, quoi, franchement. Mais là, non, c'est un peu triste parce que voilà, t'as que le touch là. Voilà. Donc, comme tu disais, des jeux, un mode de jeu, je veux dire, qui peut être sympa pour le train. Quand t'es dans le train tout seul, ou le transport en commun, enfin bref, les voyages. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Mais bon, ça vaut le pavot. C'est pas la grande nouveauté, quoi. Loin de là, et au contraire, c'est. Bon. Moi je trouve que c'est même un malus, quoi, par rapport à la version Switch. Voilà. Enfin bref, alors qu'est-ce que tu vas nous proposer de beau? Parce que là, on repasse direct en grand écran. Voilà. Alors, juste pour vous montrer un peu les héros, voilà. Vas-y. Vous voyez, vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la galerie où vous pouvez choisir vos bonhommes, voilà, tu sautes, tac, tu prends lui, tu peux prendre Messi, tu peux prendre Rayman. Un petit truc qui me plaisait pas mal, la meuf là, avec je trouve que c'est sympa. Est-ce que c'est un nouveau costume? Vous nous direz sur les commentaires, dites-nous. Ceux qui ont torché le jeu sur Wii U ou sur autre console. Allez, on va la prendre. Allez, prends-la, fais-toi plaisir. Bim. Et donc là, on va se faire un petit niveau. Alors, ça se présente, parce que ceux qui connaissent pas Rayman, regardez. Donc vous avez là, les tableaux, c'est le Kung Fu Foot, on verra après. Tout à l'heure. On verra après. Murphy's Touch, on vous a parlé, vous avez vu les images. Voilà. Là, c'est le premier niveau qu'on a déjà fait, histoire d'avoir millions de fois. Voilà. On va pas le faire. On fera celui-là, on vous montrera. Et après ça, ce sera celui-là, voilà, le mythique. Le Castle Rock. Alors, moi si j'ai bien compris, je sais pas si j'ai compris, mais il y aura... pas que celui-ci, c'est-à-dire que dans cette version-là... C'est quoi que t'as compris? Moi, j'ai compris que dans cette version-là, il y aurait d'autres niveaux, Castle Rock... Ils sont là, tu peux leur parler, vas-y. Excusez-moi. qui seront avec d'autres musiques connues, etc. Donc oui, si c'est le cas, on verra. S'ils ont rajouté des musiques et qu'ils ont complété justement... C'est ça, avec d'autres musiques bien rock et tout. Parce que c'est des stages musicaux, quoi, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des stages musicaux. Voilà, ils vont être en rythme. En rythme. C'est plaisant. Et ouais, on le verra après. Ouais. Alors vas-y, maintenant, c'est parti, mon gars, j'en peux plus. Bim, jouons. On le connaît. Ouais, on connaît. Ceux qui l'ont aussi. Voilà. C'est l'un des premiers niveaux. C'est ça. Donc là, il dirige. N'oublie pas que tu peux courir parce que le gars. Oui, moi je cours avec la gâchette. Voilà, il aime pas courir, le mec. Ah oui, c'est vraiment, on peut voler. Tu peux voler. Tu peux planer avec les petites ailes. C'est mignon. Voilà. Et bon, elle est contente.
Voilà. Alors là, c'est, ouais, c'est des niveaux, il y a des mécaniques différentes aussi à chaque fois. Alors, c'est le courant d'air. Là. Essaye de t'apprendre à voir un peu tout. Alors, récupérez bien ces merdes, les gars. Parce que ça vous débloque très des important. Bonus. Là, il y a les prisonniers aussi importants. Voilà. Ça, c'est le roi, la reine, je sais pas quoi, le prince. Ouais, voilà. Ça, c'est très bon. Il faut les récupérer. Attention, mon gars. Ah, attends. Ah, voilà. Là, ça t'a débloqué oui, les looms. En fait, il faut. Allez, vas-y, mon gars. Tu t'échappes, toi bien, mon gars. Non, ouais. T'inquiète, c'est trop rapide. C'est saloperie. Voilà. Voilà. Tu les déterres et tu les exploses. Ça te fait gagner des cœurs. Voilà. Regarde ton petit cœur. C'est ça. Là, on est bon. Allez, plane, mon ami. Allez. Et finis-nous ce stage. Voilà. Histoire que je prenne la manette. C'est ça. Parce que le mec, il me stresse. Ça y est, j'ai retrouvé mon chef. Alors oui, Damien n'aime pas me voir jouer à la console. Vous le savez. Attends. T'as le même problème avec ton cousin marseillais. C'est vrai. Je me l'ai dit. Il est un peu stressant, le gars, aussi. Mais c'est un peu quand tu conduis une bagnole. Voilà. Moi, je suis comme ça. J'aime bien conduire à la voiture. J'aime pas quand quelqu'un conduit à la voiture. Voilà. C'est exactement pareil. C'est stressant. Voilà, quand le mec il n'y arrive pas, tu dis putain, mais il fait exprès ou quoi? Voilà. Et tu rages, et c'est ça où t'es content. Ce qui est dommage là, je sais pas si on peut jouer à deux là. Mais écoute, est-ce que je peux essayer? Attends, on peut essayer. Essaye de te connecter. On va voir si je peux. Si j'appuie, si ça va. Eh si, mon gars, je peux jouer. Et ben voilà. Voilà, on peut quand même jouer. Ah, tu voulais pas que je joue, c'est ça? Alors c'est bien que la démo est de penser pour en jouer à deux. Quand alors, regardez, ça va gueuler. Vous me connaissez pas? Si, vous me connaissez à fond. Le mec, c'est un stressé. Tiens, prends ça comme ta gueule, non. La bagarre. Hop. Ah oui. Alors la pièce, est-ce qu'on prend? On fait les fous, on va la récupérer ou pas? Ah, c'est des fous. Regardez, moi je le regarde mourir. Comme une merde. Voilà, il va crever là comme une merde. Et salut mon gars. Moi je te laisse ici, non? Dans ta merde. Ah oui, c'est vrai. Alors vous voyez, quand je suis mort, il faut que Lib tape dessus pour que. Voilà. Et là j'étais sympa parce que j'aurais pu finir le. Oui, parce que tu peux bien faire chier ton collègue. Si le mec il te fait chier et que t'as pas envie de finir le niveau avec lui, tu peux. Attention. On est bon. Ah mais t'aimes bien crever toi. Ouais. Je passe dans le petit. J'ai eu le bonhomme. Je cours. Regardez, s'il veut pas, oh. Il est pas obligé. Voilà, moi je veux pas. Salut chef, ça va bien. Et moi je suis comme un con. Allez, s'il te plaît. Sauf qu'à un moment donné, il suffit que tu me mettes là où je donne des coups et allez, je te délivre. C'est gentil. Vous êtes bien trop pur, voilà. Mon chef. Ah mais tu m'étonnes. Attends, je récupère moi ça. Vas-y. Ce flacon. Putain, oui, il faut frapper dedans. Ah oui, mais attends, parce que si t'es tu où me... Voilà, c'est moi qui vais crever. Parce qu'il m'a pas attendu, le gars. Mais c'est bien, tu l'as montré aux gens. Voilà. Alors quand on n'attend pas son pote non plus, il crève. Alors c'est une histoire d'être bien coordonné. Mais bon, je suis remonté. Et la coordination chez Eldivia. Des fois, aïe, c'est difficile. Oh putain. Oh, attention, t'es descendu. Attends, on va récupérer toutes les looms, ça. Voilà. Oui. On est bon. Musique du stress. C'est ça. Oh, attention. Les mecs qui une attaque gueule. De parachutiste. Oh merde, quel con. C'est voulu niquer, voilà. Par contre, moi, c'est l'animation de ce jeu. Ouais, et puis le côté caricature à outrance, là, c'est ça excellent. Bien dessin. Ils ont des tronches, les mecs. Ça fait plaisir. Donc ce jeu, moi, de toute façon, je le prendrai parce que comme un con, je l'avais revendu sur ma Wii U. Et moi, je l'avais pas acheté. Donc je vais le prendre aussi. Mais moi, je conseille quand même, si vous avez encore la Wii U, oui, de le prendre sur la Wii U. Prenez-le sur la Wii U, hein. Sincèrement, parce que je pense pas qu'ils aient rajouté des tonnes de trucs. Moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Pour l'instant, non. Hein. C'est... Voilà, je pense qu'il y a tous les modes bonus, etc. Ouais. Mais... Bon, écoute. Ça reste un portage sympa, voilà. Ceux qui l'avaient pas acheté sur la Wii U, qui ont pas la Wii U, mais qui veulent se faire plaisir avec un bon petit jeu de plateforme, ouais. Ben, allez-y, quoi. Ouais. Si vous l'avez pas fait, ben là, ça va faire. Et puis, bon, je veux dire, l'avantage, quand même, de la Switch, c'est que toi-même tu peux le transporter partout. Ça aussi, ça c'est bien. Parce que le gamepad c'était bien, mais le gamepad tu peux rester que chez toi. C'est ça. Et ouais, c'est là. Ça. Donc bon, bah écoute, l'un dans l'autre, vous y trouverez votre compte, mon gars. Alors. Voir le prix, quand même. Le prix. Moi je veux voir. Moi je pense que ça sera 60 balles. Alors c'est quoi? C'est pour septembre, hein, 60 balles ou j'espère 50, ça serait bien. Hein. Ouais. C'est parce que là j'ai cru comprendre que Sonic Mania 2D a été sorti et qu'a priori ça marche pas du tout parce que. Pourquoi? Trop cher. 20 balles Je crois bien il que c'est 20 ça. Balles, je l'ai vu hier, il y a 20 balles. Pour une réédition 2D d'un jeu. Ah, ils abusent, les gars. Ouais. Mais en fait, ils tentent, et puis ils vont baisser les prix après. Bah oui. Alors là, est-ce qu'on peut le faire à deux ou pas, celui-là? Ça m'étonnerait. Allez, je te le laisse, le Castle Rock. Ouais, non, on va voir, je vais voir ce que ça fait. Mais je pense pas rentrer, moi, tu vois. Ah ouais, bah tiens. Ouais. Allez, je le fais. Ouais. Yes. Je l'ai fait tout à l'heure. Alors, à Castle Rock, vous connaissez le principe ou pas? Je vous l'explique très vite.
Vas-y, raconte. Il va falloir qu'il trace sa mère. C'est comme ça, là, je vais courir. Voilà, il va falloir qu'il aille très vite avec un rythme de Black Betty. Yes. Oh, Black Betty. Mais regarde, il y est. Ah si, j'y suis. Bah vas-y, on peut le faire à deux. Allez, go. Alors cette fois-ci, moi, je suis la nana. Et moi, je suis le mec. Voilà, tiens, je vais bastonner un peu mon chef, parce que je l'aime bien. Parce qu'il le vaut bien aussi. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, mon gars. Allez. L'intérêt d'être en rythme. Putain, ça va être chaud, là, à deux. À deux. Chut. On se tait, les gars. Bon, mais déjà, j'ai pas sauté. Ouais, tiens. Je te délivre. C'est bon. Ça, c'est vraiment fun. Moi, je trouve que c'est vraiment fun. Franchement, si on a plein de musique, c'est comme j'ai cru comprendre, putain, ce serait excellent. Sincèrement, les mecs, ils ont bien bossé le niveau. C'est ça. Parce que là, vous voyez, putain, ça nous met dans le rythme. Allez, les gars. Pour l'instant, on est bon. On est pas là. Alors, c'était pas le plus compliqué. Non. Calme-toi bien. Calme-toi bien. Calme-toi bien. Attention. Hop. On est bon, on est bon. Et... parfait, mon gars. Bam, bam. Hop. Bam, bam, bam. Et yes, mon gars. On est pas mal, on est pas mal. Il faut que je me concentre sur la nappe parce que j'ai l'impression encore d'être le mec, moi, tu vois. Et puis en plus, on est au même endroit. Et là, mon gars, mais ouais, mais là. Duo parfait, là. Regardez. Regardez le mode qu'on va pas là. Boum! Et là, c'est excellent quand même ces niveaux. Ouh! Putain, oh, c'est putain, oui. Oh merde! Oh merde! Con, moi. J'ai sauté quand même. Alors que n'importe quoi, ça y est! Et là, le problème, c'est que. Il peut pas. Oh, si ça y est, c'est bon. Il a plus. Bam! Bam! Et voilà, con. Joli. Oh merde, je suis mort. C'est bon. C'est pas grave, il est là, le chef. Rock and roll, bébé. Et je suis mort. Je suis mort juste à la fin comme une merde. Mais non, je t'attendais. Oh, bon. Téléportation. Je me suis téléporté à la Son Goku. Mais écoute, mon gars. C'est un petit... Eh, c'est rigolo. C'est assez fun. C'est sympa. Alors, vous voyez là, c'est tous les looms là qu'on récupère. Quand même, c'est en fonction, tu prends une médaille de bronze, d'argent. La coupe de bronze, coupe d'argent, est-ce qu'on va atteindre l'or? Oui. Juste, allez, juste. Le 16. Ah, c'est pas mal. Le 16. On est bon, les gars. On est bon, mon gars. Alors après, voilà, c'est la même démo que sur la Wii U. Hein. Exactement. Par contre, ils sont pas fait chier. Ils sont pas emmerdés. Hein. Les graphismes sont pas mieux ou moins bien. Non, mais de toute façon, pour le style de graphisme, ouais, non. Ça sert à rien. Là, on peut voir. Ah oui, voilà, ça, que vous voyez. Alors, il vous explique, voilà, Kung Fu Foot. Mm-hmm. Alors, la nouveauté du Kung Fu Foot, c'est que maintenant, tu peux jouer en mode solo. Yes. En mode solo contre le lié. Ouais. Tu pourras jouer en mode local avec plusieurs Switch, donc ça peut être sympa aussi. Très bien expliqué, bravo. Gameplay tactile, on vous en a parlé au tout début. Ouais, ce que vous avez au tout début. Voilà. Le défi, alors ça... Retrouve tes amis dans une variété de défis qui mettront à l'épreuve ton talent et votre vitesse. Alors là, c'est à mon avis, c'est le truc de chrono. Ouais, c'est possible. Ça, c'est du speedrun, ça, tu sais. Ça, c'est pour les speedrunners, mon gars. Et le Rock'n Rayman, ben, c'est... Voilà, hein, c'est ce que tu nous disais. Et tu vois, vu qu'ils en parlent là, je me dis que... Il y a moyen qu'ils rajoutent des trucs. Des trucs, ouais. J'espère quand même qu'ils vont rajouter des trucs. Ah, hein. Ouais. Qu'il y a moins de l'intérêt à racheter le jeu. Quoi. Voilà, qu'il y ait un peu plus de petites choses. Mais pour l'instant, vous voyez qu'ils sont encore frileux, les éditeurs. Allez, on enchaîne. Ouais. Sur la Switch, ils attendent vraiment, à mon avis. Merde. C'est pas grave. Ils attendent vraiment, à mon avis, Noël. Ouais. Pour après se dire bon, ben voilà, en fait, il y a ça, 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 ça aussi. Pour l'instant, ils ne font que des portages. Ouais. Faut pas sentir, les gars, ils ne font que des portages. Allez, je sors du niveau. Et on le voit même avec Capcom, là, je fais une petite digression là, par rapport à la vidéo. Oui, oui. Capcom, t'as vu, ils ont fait une compile là, de Resident Evil Révélation 1 et 2. Et donc ce sera une boîte où tu auras les deux. Voilà. Donc c'est sympa, mais c'est des jeux connus hein, quand même, les gars. C'est ça. Donc ils seront peut-être toujours temps, pareil, à voir combien ça coûte, ouais. À voir à 12 ans, vraiment, voilà. Ils nous ont mis Namco qui nous a fait une réédition de vieux jeux, les Pac-Man, ouais. Les machins, au prix, ouais. Franchement, je vais être très honnête avec vous, j'achèterai jamais. Ouais, voilà. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est, ouais, ça, c'est un peu du foutage c'est de gueule. Les mecs, c'est des reportages vite fait, bien fait, trop vite fait même. Bien fait, oui, bon. Le jeu, ouais, le Pac-Man, quoi. Pac-Man, ouais. Ça n'a jamais brillé par les graphismes. Non, bon, après, c'est sûr qu'en portable, ça peut être sympa pour un gamin. Ouais. Voilà, la plage, je sais pas. Pourquoi pas, les gars, moi, j'ai envie de dire. Voilà. Oh putain, la merde, allez, enchaîner direct. Oh non, putain, je suis même pas. Alors, on explique. Allez, Kung Fu Foot, comment ça marche?
Kung Fu Foot, bon bah vous choisissez un perso, vous l'avez vu. Voilà, là je peux choisir, changer. Ouais, c'est vrai. Moi je suis Rayman, là, vous voyez. Voilà, moi j'ai... Ou alors je prends le sorcier fou, là. Voilà. Ou le gros, quand il est en bas, voilà. Qui s'écrase. Qui s'écrase. Et moi je fais des... Qui s'écrase. Non, voilà, je vais prendre... Non, pas le Rayman, non, je vais prendre celui-là, ouais. Tu prends le gros. Mais non. Putain, et vous voyez, il faut sauter, mais bien sauter, par contre. Mais éteint. Et pour commencer le match... Tu t'accroches. Voilà, alors là, lui, il est prêt. Voilà. Si je m'accroche pas, on peut rester 20 ans ici, les gars. C'est ça. On peut parler de tout et de rien. J'ai l'impression. Alors, faut savoir que le foot, je déteste ça, mais là, c'est du kung-fu foot. Voilà, c'est du kung-fu foot, c'est bien fun. Alors, vous connaissez peut-être pas le principe. Alors, nous, on dit kung-fu foot, mais ça s'appelle kung-fu foot. Oui, pour, hein, mais kung-fu foot, c'est plus fun. C'est nous, on l'appelle comme ça. Donc voilà, en clair. Bim. Voilà, il commence. En clair. Putain de ta gueule. Vous avez compris le système. Tu peux latter ton. Voilà. Ton adversaire. Voilà. Voilà. Non. Ah, fais pas chier. Tiens. Oui. Allez. Putain, enculé, il va me marquer celui qui t'entend enculé. Voilà. Oh. Oh. Bim. Oh, c'est serré là. Oh serré. Non. Oui. Non. Putain, les mecs ils sont mauvais. Oh non. Oui. Bim, Marseille. Ouais. Le Marseillais là. Ouais. On ferme bien sa gueule. Tiens, regarde le Marseillais. Le petit but de merde. Le but de merde. On a la pression, les gars. 2-2. Oh, égalité. Attention. Alors, il y a un temps. Hein. Voilà, vu, c'est 2 minutes, je crois, un truc dans ce style. Ouais, c'est il est en haut, le chrono, vous voyez. Ouais. Voilà. Oh. C'est le but à la Zidane, j'ai envie de dire. Bam, je lui sa gueule un peu. Voilà. Je tente ça. Reprise. Bim. Reprise. Bim. Et voilà, mon gars. Ça, c'était dédicace à tous les fans de Djorkaeff. Et attends, je vais te faire un but à la BRL. D'ailleurs, je disais, aujourd'hui, on n'a pas entendu parler de Neymar. Est-ce qu'il a chié aujourd'hui? Ah, putain. Oh, il nous casse les couilles avec ce Neymar, là. Ah, mais putain. Bon, moi, je suis pas trop le foot, mais c'est vrai qu'ils arrêtent pas, là. Putain, c'est... C'est... Ouais, je sais pas, ouais, il lui rêve. Ouais. Allez, quoi, c'est comme ça. Est-ce qu'il fait pipi bleu? On sait pas encore. Pas... On le saura au prochain épisode. Oula. Oh non. Ça c'est beau. Non. C'est... Oh non. Tiens. Oh le con. Ferme pied de ta gueule. Oh, putain, j'ai 10 secondes. Oh, oui. Oh putain, 10 secondes. Je mène. À part 10 secondes. Un but. Un sachant qui m'a gagné tout à l'heure aussi, sans te reculer. Oh. Oh non. Pas de boxe. Oh. Oh non. Vous avez tous vu devant moi là. Poteau carré. C'est ça. Le fameux poteau carré. Pour les vieux, ça, c'est pour les vieux. C'est pour les vieux. Allemagne-France, c'était ça? Le poteau carré? Non, c'était, je crois que c'était Saint-Etienne contre qui? Non, il y avait aussi. Allemagne-France, c'est là où là tu t'es fait défoncer. Ah putain, ouais, ça, non. Il est plus connaisseur que moi, ouais. Je te fais confiance sur parole. Bon, voilà. On est bon? Petite vidéo, voilà. Allez, on en est à 18 minutes. 18 minutes, on va rester ici. C'était juste pour vous montrer la démo, franchement. C'était une vidéo découverte, voilà. Les amis. Donc, mais est-ce qu'on vous le conseille? Oui. 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 Pour ceux qui connaissent qui pas l'ont le jeu. Pas, qui oui. Connaissent pas, allez-y. Et ceux qui l'ont déjà eu. Moi, je dirais que c'est pas une priorité. Mm-hmm. Moi, je dirais si vous l'avez sur Wii U, laissez tomber. Ça suffit. Voilà. À part si, voilà, le seul truc qui est vendeur, c'est si vous voulez partir en voyage c'est et ça. Vous faire un petit ramen. C'est juste voilà. Ça. Mais bon, le Michel Chancel, eh bien, il nous fait plaisir quand même. Voilà. Parce que voilà, ça fait un jeu de plus pour la Switch. Alors moi, je toujours un, septembre, hein, n'oubliez pas, le date exact, je ne me souviens plus. Ouais. D'ailleurs, en septembre, il y en a plein qui arrivent. Hein, enfin. Ouais, là même fin août, là, il y a le Rabbit, je sais pas quoi, voilà. Là, Mario, là. Voilà, Mario, le VS Lapin Crétin. Voilà. C'est ça. Plus d'autres. Hein. Et puis là, ben, en septembre, vous allez voir, ben là, ça, les actus, on peut voir, les fêtes de Noël vont arriver. Et économiser si vous n'avez pas la Switch, moi j'ai envie de vous dire. La Gamescom bientôt. Gamescom bientôt. On va voir, peut-être que. On aura des annonces, c'est loin d'être sûr, mais bon, on verra. Et puis, nous, comme on a dit avec le Tonio, là où on est chaud patate, c'est qu'on aimerait bien recouvrir l'événement qui se passe le Paris Game Week. Et on en parlera plus tard, et on va pas arrêter de vous faire chier avec ça. Croiser les doigts pour nous, c'est ça. Prier pour nous. Tweeter comme des dingues. Commentez, partagez. Facebook pour ceux qui abonnez-vous. Partagez. Ah, partagez. Faites-nous de la pub. Ouais, voilà. Voilà. N'hésitez pas. Abonnez-vous si vous avez kiffé nos vidéos. C'est ça. Et puis, voilà, nous, on veut des commentaires, comme tu as dit, à outrance, quoi. Allez-y, on est là. On est bon, mon petit gars. Allez, le fameux. Viva el día! Allez, tous les mecs, pour une prochaine, on sait pas quoi. Bientôt. Bye! Ciao.